Saluton, mi nomigas Guillaume. Kai hodiaŭ mi parolos al vi pri miaj kantprelegoj. Alors une conférence. Donc c'est un mélange de des mots concert et conférence. Comme vous l'avez sans doute très bien compris, j'ai ressenti le besoin de créer ce mot quand je me suis aperçu que les spectateurs qui venaient donc assister à mes conférences s'attendaient à un concert, c'est-à-dire simplement une suite de chansons. Le refrain qui mène à la catastrophe, le paradis ce n'est pas pour l'heure. J'ai remarqué que les gens étaient un petit peu désarçonnés quand ils se sont rendus compte que je parlais beaucoup, en fait, dans ces spectacles. Voici quelques mots de Claude Piron. Un homme d'une intelligence rare qui, avant d'être psychologue, psychanalyste, je ne sais plus, psychologue, merci. Quoi ? Psycholinguiste, voilà, psychotruc. Ça permet de tenir le public en haleine. C'est vraiment l'idée de capter vraiment l'intérêt, l'attention du public et de l'aider finalement à porter son attention sur le texte. Parce que dans un concert, en général, on n'écoute pas le texte des chansons. Et personne n'écoute, c'est barbant les moralités. Il y a besoin de recontextualiser un minimum. Voilà, c'est des sujets que beaucoup de gens connaissent par cœur et que beaucoup plus de gens, hélas, vont découvrir. Et après la fête, il n'y aura plus de planète à se mettre sous le pied. C'est juste, il y a besoin de clarifier 2-3 points. Je fais ça de façon légère et avec humour, voilà, et ça passe. Et puis ça donne envie. Moi, mon intention, à la base, c'était de raconter ma vie. Voilà, comme fait n'importe quel chanteur, d'ailleurs, en fait. Donc, petite anecdote sur ma vie. Un jour, j'étais au lycée. Ma prof de maths, qui était aussi ma prof principale, me prend entre quatre yeux à la fin du cours et me dit « Guillaume, j'ai vu ta mère hier. » Elle dit que tu passes tout ton temps au piano. Voilà, quand un chanteur monte sur une scène, il ressent une sorte d'importance à préciser le contexte dans lequel il ou elle a composé, écrit telle chanson. Et bien moi, c'est pareil. Sauf que je me borne un petit peu dans le contexte du développement durable. Du temps où je travaillais professionnellement dans le développement durable. Je vais vous raconter crûment un des faits, comme il m'est arrivé dans la gueule le matin où je l'ai lu devant mon ordinateur. Je me souviens encore de ma collègue de travail qui entre, qui me voit dans cet état, qui me dit « Mais Guillaume, il ne faut pas lire ce genre de choses. Une lettre d'information du développement durable, enfin, on travaille dans la même boîte ou quoi ?» Mais j'avoue qu'à la longue, j'ai suivi son conseil. J'ai un petit peu pris de distance. Parce que... C'est des sujets qui touchent tout le monde. Il y a encore des gens qui croient que avoir se sentir concerné par ce qui peut se passer sur la planète, aux êtres humains et à l'environnement, ça concerne que les écologistes. Mais c'est quelque chose qui est vraiment propre, je crois, à toucher tout le monde, qui est de l'ordre d'une vraiment une thématique universelle. Mais nom de Dieu, mais en voilà un bon domaine où exercer un bon métier avec ta sensiblerie là pour les petits oiseaux et les arbres. Donc voilà, c'est assez central le développement durable dans le spectacle. Ça ne parle pas que d'agriculture biologique. Le titre « Chansons issues de l'agriculture biologique », c'est une blague. Enfin, c'était pour situer un petit peu le contexte, mais c'est surtout pour rigoler. La campagne, on la tue. On n'est plus franc du collier. Tu vas crever, salope. Tiens, des pesticides. Tiens, des engrais. Hey, Gérard, passe le tracteur, là. Je suis sûr, là, elle va succomber. On va la voir. Donc
voilà, on est devant le carillon d'Olivier, hein, qui vend des produits biologiques depuis 1960 dans le quartier Montmartre. Hein. Donc voilà, on va entrer puis on va voir ce qu'on trouve. C'est assez classique, il y a des salades, hein, des carottes, voilà, des brocolis, hein, des aubergines, des courgettes. Comment ça s'appelle? Des champignons, voilà. Donc, comme qui dirait des légumes. Hein. On va voir dans le fond parce qu'il y a encore d'autres produits. Pour les gens qui ne savent pas encore, hein, nécessairement, des pâtes bio. Donc, voilà. Donc, il n'y a qu'à regarder. Vous avez une petite astérisque qui dit ingrédients issus de l'agriculture biologique. Et c'est comme ça dans tout le magasin. Voilà, le rayon fromage, les yaourts, j'en rajoute. Enfin, voilà, le vin, tout. Et pas de chanson. Pas de chanson issue de l'agriculture biologique. Voilà. J'ai demandé au vendeur. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai cherché dans tout le magasin. Je ne vois pas où sont les chansons issues de l'agriculture biologique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que je fais juste l'alimentation. Non, ça va pas. Avec une chanson, on ne peut pas se nourrir, peut-être. Je sais pas, non. Il m'a confirmé qu'ils n'en avaient pas en rayon, qu'ils n'en avaient jamais eu depuis 1960. Pas la moindre chanson issue de l'agriculture biologique dans ce magasin. Et voilà, on ne sait pas où sont les chansons issues de l'agriculture biologique. Là, on a des... Là, on a c'est quoi ça? C'est même briquet en français. Non, j'ai pas de chanson. Oui, enfin bon, en tout cas, il n'y a pas de chanson ici, voilà. Et j'ai une chaîne, mais c'est pas bio. Non. Bon, ben, merci quand même. J'adore. Je n'ai pas conçu ce spectacle comme un outil de sensibilisation au développement durable. Comme je disais tout à l'heure, j'ai voulu raconter ma vie, j'ai une démarche artistique la plus classique qui soit. Si tu as froid, tu mets un pull. Dans la cuisine, tu fais des élevages de lombrics. Et puis surtout, quand tu as envie de faire pipi, tu te retiens jusqu'au moment de prendre ta douche. Ah oui. Bah, croyez-moi ou non, ce n'est pas avec ce refrain-là que je gagnais l'attention de mon auditoire. C'est plutôt moi qui étais gagné par une forme de résignation. Dès qu'il y a l'intention de sensibiliser, ça m'ennuie à mourir. Oh, je ne peux pas regarder, ça me file la gerbe. Il se peut évidemment qu'il y ait une sorte de sensibilisation dès lors qu'il y a quelqu'un qui vient... Qui va apprendre quelque chose au cours de mon spectacle, qui va découvrir un petit peu des trucs dont on parle pas tous les jours aux infos, 20h, je ne sais quoi. Donc c'est ce que j'appellerais entre guillemets les dommages collatéraux des chansons issues de l'agriculture biologique, c'est que les gens apprennent des choses, mais c'est pas le but. C'est pas le but, mais c'est ce qui arrive. Voilà. Ce matin-là, je découvre le génocide OGM en Inde. Alors, je vous refais le contexte. En Inde, figurez-vous que les lobbies de l'agro-industrie, avec la complicité des pouvoirs publics, ont réussi à retirer des mains des femmes la noble tâche de produire la nourriture pour la mettre entre les mains des hommes. Pourquoi ? On comprend assez simplement, les femmes ont un petit peu trop. Les hommes n'ont plus pied. Dans les rues transversales, les feuilles se heurtent au pavé. Dans le ciment de la dalle, les eaux cherchent une percée pour atteindre le sol de ce monde hors sol.
hors sol. Hors sol. S'il faut pourtant rassasier la population docile, ça et là amassée. Ça n'est pas difficile, car les plans n'ont plus de pied. On surveille les bacilles, on cadence les portées. Loin au-dessus du sol, de ce monde hors sol, hors sol, hors sol. Ça a été une période de ma vie où j'étais en plein questionnement. Hein, j'étais même, pour ainsi dire, un peu déprimé, ne sachant pas quoi faire de moi, trouvant qu'il y avait peu de sens dans cette société. Et pendant que je m'interrogeais sur moi-même, sur qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, je suis tombé simplement sur une info à la télé. Je découvre qu'on est en train de détruire la planète, et je crois que j'ai dû mettre ça en relation, tu vois, entre le fait que la planète aille mal et mon propre mal-être. Voilà ce soir devant vous à vous faire le récit du cheminement qui a été le mien à partir du moment où j'ai pris conscience de ce qui se passait sur la planète. Je vous le dis tout de suite, ça m'a paniqué. Je me suis mis à crier dans tous les sens, à qui voulait l'entendre, au secours, il n'y a plus rien qui va, on est en train de tout foutre en l'air, il faut réagir. J'ai envie de contribuer à reconstruire quelque chose. C'était ah oui, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et là, j'entends parler du développement durable, quelque chose qui nous provient des Nations Unies. Conférence de Rio 1992, ça avait duré je ne sais plus combien de temps, une semaine, deux semaines. Le truc, et c'est là que tout avait été planifié, etc. Ils avaient lancé l'affaire, ça prenait son essor. Et c'est quelques années après seulement, on était encore dans cette dynamique naissante et pleine d'espoir, que je m'intéresse au truc et je me dis, mais je veux en être, voilà. Je percevais bien que quelque chose dysfonctionnait dans ce système, mais j'identifiais pas encore exactement quoi. Alors, quand j'ai entendu parler de développement durable, mon cœur s'est mis à battre au diapason du nouveau monde. J'étais sur cette longueur d'onde-là. Si nous ne brandissons jamais de bannière. Je lis un petit peu toutes les bibles du développement durable, tout ce qui a été notamment écrit autour de la conférence de Rio 92, et il se trouve que parallèlement à la conférence des Nations Unies, il y a eu un regroupement des ONG du monde entier qui se sont réunis pour donner leurs propres préconisations pour sauver la planète. Je lis une préconisation sur l'espéranto, je ne sais plus ce que ça disait exactement, comme un biais pour unir les gens. Sabéis lo que es Esperanto? Non, pas du tout. Non plus. Esperanto. 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 Non, Esperanto. Non, oh, pas du tout. Hein. Comme moi, c'est pas du tout, c'est connais que le nom. C'est espagnol, ça. Sabéis lo que es Esperanto? Sí, es una lengua inventada. Sí, sí, sí. Ay, no, yo no. El esperanto es una lengua pues inventada para todos los miembros de la comunidad, una lengua de origen románica, se supone. ¿Románica? Digo yo, no sé, no estoy muy segura de eso. Creo que sí, que una mezcla de las lenguas de europeas. Sí, más o menos. Ay, Dios mío. Es un mélange de plein de langues, en fait. Se construye a partir de
de différentes langues indo-européennes. Alors notamment le latin. Eh ben dis donc tout ça. Ça peut être drôle tous les jours. Hein. Mais c'est très facile, c'est une langue très facile à apprendre et c'est vraiment une langue qui parle un peu à tout le monde, c'est le cas de le dire. Parce que c'est bien beau de demander. Mais est-ce que vous savez ? Moi non seulement je sais mais je le parle. Oh, bravo monsieur. Bravo. Dis donc je t'aime en espéranto alors. Mi amas vin. Ah, c'est ben beau. C'est beau. Je me suis dit, ah ouais, le développement durable, ça partait des changements climatiques, et là, on en est à apprendre l'espéranto, mais c'est génial, ça part dans tous les sens, j'adore ça. Ça parle de tout, et ça met un peu tout dans le même panier en disant, voilà, on va tout, vraiment tout reconstruire. Bon, génial. Alors moi, je dis bingo, et je me mets à apprendre l'espéranto. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'espéranto et le développement durable, pour moi, c'était complètement lié. Les gens qui sont venus voir le spectacle, effectivement, jusqu'à maintenant, ont le plus souvent été des gens qui n'étaient pas là par hasard, qui ont déjà une sensibilité sur le sujet, puis qui ont eu envie d'en savoir plus, ou qui en savaient déjà beaucoup. N'empêche que il y a eu aussi des gens normaux, qui étaient pas du tout ciblés, qui sont venus, qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas très intéressés à la thématique de l'écologie, et qui m'ont dit que vraiment ils avaient à la fois beaucoup apprécié et beaucoup appris. Pour moi c'est bingo, c'est objectif atteint, évidemment. Même si c'était pas un objectif, comme je le disais tout à l'heure, de sensibiliser des gens, l'objectif c'était de pouvoir toucher des gens, toucher des gens, voilà. Et que des gens puissent être touchés par un spectacle qui parle d'écologie, alors qu'ils ne sont pas a priori touchés par l'écologie en général. Voilà, c'est ça qui pour moi est vraiment une réussite. Je vous rassure, pour ceux qui n'ont jamais entendu, qui ne connaissent pas les chansons issues de l'agriculture biologique, c'est des chansons comme les autres. Ce qui fait la différence, c'est juste... Oui, enfin, c'est comment dire, la terre dans laquelle elles ont poussé, puis les traces qu'elles vont laisser en nous. Au passage, c'est comme une tomate, hein, qu'elle soit bio ou pas bio, ça reste une tomate dans les grandes lignes. Comme je le disais tout à l'heure, je ne l'ai pas conçu comme un outil pédagogique. Et comme la plupart du temps, un outil pédagogique, c'est destiné à un public jeune, a fortiori, mon spectacle ne s'adresse pas à un public jeune. En tout cas, il n'est pas conçu pour. Réjouissez-vous, car après notre petit détour en scatologie, nous allons enfin parler de sexe. Toutefois, il est arrivé que des instituteurs, voilà, professeurs des écoles, par exemple, viennent me dire « il faut absolument présenter votre spectacle dans une école ». Il se trouve qu'il y a eu des jeunes, des collégiens, et même une fois, il y a eu une petite fille de je sais pas, environ 9 ans qui était un de mes spectacles au premier rang et qui a adoré et qui a participé pendant tout le spectacle. C'était très comique d'ailleurs. Enfin, le spectacle était arrivé à devenir un dialogue entre elle et moi à certains moments. Bon, mais en dehors de ça, a priori, c'est pas un spectacle pour enfants. Deuxième étape du projet, maintenant j'aimerais le présenter dans des cadres plus généraux de programmation culturelle, d'un théâtre, d'une commune, je sais pas, peu importe, on va voir ce qui se présentera. Tout le monde est convié à la fête. La fourmi ayant bossé toute l'année nous laissa fort dépourvu. Quand la crise fut venue, plus un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla pleurer sa ruine chez la cigale, sa voisine, la priant de l'excuser pour toutes les ressources épuisées. Je peux payer, lui dit-elle, pour qu'elle se renouvelle. Mais en attendant, plus un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau.
Un mot pour finir. Tiens, non, c'est vrai, j'y avais pas réfléchi en fait. Non, non, c'est vrai, non, c'est une question importante. Je vais pas y réfléchir maintenant. Ce qui est important de préciser, c'est que désormais, les chansons issues de l'agriculture biologique sont séparées en deux parties. Première partie, sans vouloir être alarmiste. Deuxième partie, sans vouloir être utopiste. Oula ! Attention, il faut pas être alarmiste. Oulalalalala, il savait pas. Pas de panique. Tout va bien. J'ai eu envie de bien insister sur ces deux grands aspects, l'alarmisme et l'utopisme, qui sont dans le milieu du développement durable et notamment de l'éducation, des espèces d'interdits tacites. Voilà, c'est pas écrit quelque part, mais c'est une idée qu'on se transmet très facilement, qu'il faut pas être alarmiste et qu'il faut pas être utopiste. Quand on parle aux gens, il y a des choses qu'on découvre dans le domaine du développement durable, que ce soit des faits ou des pronostics qui sont alarmants. C'est terrifiant. Donc effectivement, si on veut concevoir un outil pédagogique, on ne va pas dire les choses alarmantes parce qu'il ne faut pas faire peur. Surtout quand on travaille dans le secteur de l'éducation, ce qui était mon cas, tu ce que tu veux, mais tu n'es pas alarmiste. D'accord. Okay. Donc, par exemple, je posais la question, on m'a expliqué. Si je suis sur un bateau, imaginez, vous êtes sur un bateau. Vous êtes sur un bateau, le bateau coule à un moment. Et bien, par exemple, ce qu'il ne faut pas dire, c'est « le bateau coule ». Non, là, vous êtes alarmiste. Alors, par exemple, ce que vous pouvez dire, c'est « Oh, et si on allait tous faire une balade en canot de sauvetage ?»« Ouais, c'est la tempête, et alors ?»« Oh, et on s'amuse !» Mais la situation est en même temps bourrée d'espoir parce qu'il existe partout dans le monde des tas de projets fous, en fait. Fous dans le sens où ils sont complètement en décalage avec nos modes de pensée, nos modes de faire actuels. Mais qui fonctionnent et qui sont complètement prometteurs. Alors voilà, il y a cet interdit. Il ne faut pas être alarmiste, il ne faut pas décrire la situation telle qu'elle est et il ne faut pas décrire la situation telle qu'elle pourrait devenir non plus. Je crois qu'un des syndromes les plus flagrants du mal de notre société, c'est la dévalorisation du mot utopie. Aujourd'hui, s'entendre dire qu'on est utopiste, c'est une insulte. Espèce d'utopiste. Fils d'utopiste. Donc pour moi, quand on est dans cette attitude-là, en fait, on supprime les deux pôles qui font tourner le courant. C'est le pôle plus et le pôle moins de ce qui fait vraiment tourner les ménages. En fait, ça fait turbiner les ménages. C'est-à-dire, c'est juste être alarmiste. Pour moi, c'est simplement décrire la réalité dans toute sa noirceur. Et être utopiste, c'est indiquer la sortie de secours. En fait. Et effectivement, si on s'empêche, si on se prive d'être à la fois alarmiste et utopiste, on est dans ce que j'appellerais une forme d'immobilisme, puisqu'on aime bien les mots en isme. Pour Albert Jacquard, l'utopie, c'est décrire un demain souhaitable sans se laisser engluer dans les contraintes d'aujourd'hui et les rigidités d'hier. Maintenant, les chansons issues de l'agriculture biologique, c'est très clairement partie 1, je vais vous décrire la réalité telle qu'elle est dans toute sa noirceur. On rigole quand même, hein. Et partie 2, je vais vous décrire le monde tel que des gens sont en train de le construire aujourd'hui, des fous, en y mettant toute leur envie, leurs rêves, leurs désirs. Soyons fous. Nous gagnons la paix d'une nouvelle.
nouvelle manière. Nous sommes les chevaliers d'un monde nouveau. Nous pillons les rois de leurs mauvaises manières. Nous sommes les flibustiers d'un monde plus beau. C'est bien comme mot de la fin, ça, non?